le monde comprend français. Oui, je veux vous parler aussi. Parce que il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Vous suivez ce que j'ai dit là? Oui, oui, monsieur. Il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Le corrupteur, c'est qui? C'est nous. C'est nous. Ok. Vous avez le choix. Vous avez le choix entre vous mettre en règle et ne pas avoir de soucis à donner la corruption. Mais si vous choisissez de ne pas être en règle et que vous vous retrouvez dans cette situation où vous êtes obligé de marchander avec les gendarmes, vous êtes tous mauvais. Je ne veux plus entendre dans ma circonscription qu'il y a eu encore des grèves. Est-ce que vous me suivez? Oui. J'ai dit, je ne veux plus entendre que vous, votre syndicat là, vous avez fait ce que vous avez fait maintenant là. C'est la toute dernière fois. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est la dernière. Oui. Vous avez compris? Oui. Celui qui n'est pas en règle, je demande aussi à nos hommes, verbalisez-les. Laissez-moi les histoires de prendre 10 000 vous mettez dans vos poches. Vous êtes, nous sommes tous petits maintenant. Il faut éviter ça. Je dis, je répète, si j'entends encore, vous avez vu comment on est arrivé là, non? Vous connaissez ce que ça coûte. Je dis, c'est la dernière fois que j'entends qu'il y a encore grève ici. Ceux qui ne sont pas concernés par un problème, chacun porte sa croix. Ah oui. Chacun a sa voiture. Ah oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une faute, on veut le verbaliser, que tout le monde doit s'arrêter sur la route. Vous déplacez le sous-préfet, vous déplacez les autorités, vous déplacez tout le monde, on vient là pour vous voir, on se pose en cinéma, tout le monde nous regarde. C'est la dernière fois. Est-ce que c'est clair? À bord de mon véhicule, tout le monde.